Parce que j'étais inquiète, moi, Monsieur le ministre, en venant ici aujourd'hui, parce que j'ai lu dans la presse, avant même de prendre l'autoroute 40 pour m'en venir, que vous changeriez pas d'idée. Alors, je me suis dit, pourquoi il nous entend si, de toute façon, son idée est faite? Alors, comment vous expliquez sa position, à votre avis? Est-ce que c'est seulement... C'est quoi? Pourquoi? La seule explication que je peux avoir, c'est l'entêtement. J'aimerais qu'on revienne sur la question du cartel. En tout cas, Monsieur le ministre, il trouve ça très drôle. Hein? Il n'arrête pas de rire depuis le début. Je ne sais pas si les caméras de télévision peuvent montrer ça. Mais Monsieur le ministre, là, il n'y a pas juste un moment ou un autre qui rit. Dès qu'il y a quelqu'un de l'opposition qui parle, dès que nous, on parle, il rigole. Il rigole avec les gens qui sont autour de lui. Il y a beaucoup de plaisir. Moi, je suis une fille qui aime beaucoup rire et puis il faut avoir de l'humour en toutes circonstances. Mais je trouve que son humour s'étale longtemps. Je trouve qu'il rit beaucoup. Vous avez l'air de trouver ça très drôle, tout ce qui se passe. Vous avez l'air de vous amuser beaucoup, de vous amuser de ce qu'on dit, de ne pas nous prendre au sérieux, de trouver qu'on est des farfelus. Vous avez le droit, mais c'est bizarre pour nous de vous voir rigoler comme ça avec vos collègues en catimini.